Alors, qui est-ce qui est d'accord d'acheter une scie avec la proposition de Daniel? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 voix. Amis contraires. 0 voix. Laurent, je donne la parole à... Je me demandais à M. Pernoud si, où c'est qu'il a acheté la scie. L'autre, puis s'il pourrait aller l'acheter pour jeudi. Monsieur Pernod ou Daniel, il vous demande si vous voudriez acheter une scie pour... Bon, d'accord, mais j'aimerais savoir quel crédit vous avez voté. C'est 10 francs, c'est 15 francs, c'est 20 francs. Alors, ouvre la discussion. Cette petite république d'élèves est en plein conseil de classe. Le maître, Maurice Pernoud, y assiste en invité et en observateur. Les enfants proposent, décident et forment une coopérative qu'ils gèrent eux-mêmes. Ils font ainsi tout naturellement l'apprentissage de la démocratie. Ils se sentent responsables et participent tous à la vie de la classe. Maurice Pernoud l'a voulu ainsi parce qu'il est adepte de la pédagogie Freinet. Cette méthode d'enseignement a pour but d'épanouir la personnalité des élèves, de les révéler à eux-mêmes en les rendant constamment actifs. Elle a introduit la vie de tous les jours à l'école. Il n'y a plus d'élèves passifs et de maîtres qui monologuent interminablement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voix. Amis contraires. Personne. Bon, alors, tu marques, nous avons décidé d'acheter... une scie à 10 francs. Je donne la parole à M. Pernet. Alors, j'aimerais bien savoir de quel crédit je dispose. C'est 10 francs, c'est 20 francs? 10. 10 francs. Je ne dois pas dépasser 10 francs. Et quelle est la date limite à laquelle, pour laquelle je dois acheter cette scie? Jeudi, si vous pouvez. Jeudi. Bon. Très bien. Quel est le genre de classe dont vous vous occupez, M. Pernet? C'est une classe de développement. C'est-à-dire, elle groupe des élèves, 14 élèves, qui ont certaines difficultés à apprendre. Ce sont des élèves qui viennent de classes où ils ont peut-être peiné, où ils ont eu de la peine à suivre les cours concernant le calcul et l'orthographe. Et alors, on les place dans une classe de développement. Et alors, quel est votre but ici? Mon but, c'est d'essayer de les développer le plus possible, là où ils peuvent se développer. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne sont pas inintelligents. Ils ont une intelligence qui n'est peut-être pas la même que celle des enfants de classe normale, mais ils ont une intelligence qui leur permettra de réussir dans différents domaines. Pour développer cette intelligence, vous avez choisi d'employer la pédagogie Freinet. Bien, j'ai toujours été séduit, au fond, par ce besoin de laisser l'enfant s'exprimer. Et en 1945, j'ai fait la connaissance de Freinet. Alors, je veux dire, j'ai été enthousiasmé de ce qu'il disait, de ce qu'il expliquait concernant sa pédagogie. Et je me suis tout de suite mis au travail pour l'appliquer. Qui était Freinet? C'était un jeune pédagogue français en 14, qui a fait la guerre 14-18, et qui tout de suite après la guerre, lorsqu'il s'est trouvé dans un petit village, a mis au point une pédagogie qu'on appelle la pédagogie Freinet. Elle est basée sur quoi? Quel est son grand principe? Le grand principe de la pédagogie Freinet, c'est la motivation au fond du travail de l'enfant. Autrement dit, l'enfant travaille selon son intérêt. Donc il faut provoquer... s'exprime. Il faut provoquer constamment son intérêt. Je veux dire, oui, il faut le provoquer, mais il n'y a même pas besoin de le provoquer parce que l'enfant a toujours un intérêt particulier, donc il a envie de faire quelque chose. Donc il faut exploiter ça. Voilà. Mais ce n'est pas très nouveau, Pestalozzi l'avait déjà trouvé. Non, ce n'est pas très nouveau, Pestalozzi l'avait déjà trouvé. En effet, il laissait ses gosses travailler librement, mais Freinet a mis au point des outils de travail que Pestalozzi n'avait pas. Et ces outils de travail, c'est l'imprimerie à l'école. Et alors les gosses impriment eux-mêmes des textes qu'ils écrivent? Les gosses impriment eux-mêmes ces textes. On appelle ces textes des textes libres parce qu'ils les écrivent librement.
Ces textes ensuite paraissent dans un journal scolaire. Le nôtre s'appelle Piclune. Oui. Dans ce journal, il n'y a pas des textes de tous les enfants, mais il y a des textes de la plupart. Et s'ils n'ont pas leur nom dans ce numéro, ils l'auront dans un autre numéro. Il y a un texte à la mer, la chasse sous-marine, on mange du crabe à Trieste. Ils racontent leurs histoires, etc. Leurs vacances, ce qui leur est arrivé à eux. Ils racontent vraiment leurs histoires personnelles et les histoires qui proviennent de leur vie. Et alors ces journaux sont envoyés à des correspondants? Les journaux sont envoyés aux autres classes qui impriment aussi un journal. Autrement dit, il y a un échange de journaux. Nous accompagnons ma tante au port de Naples qui s'embarque pour le Venezuela. On place d'abord la voiture au parking et nous allons nous promener au bord de la mer. Des gros bateaux amarrés attendent les voyageurs et les marchandises en bougeant un peu sur l'eau. Après, nous allons payer le billet de ma tante au guichet. Et le bateau américain est là. Ma tante se dépêche de monter sur la passerelle. Depuis le pont, elle salue toute la famille en agitant son mouchoir. Le bateau s'éloigne. Ma tante crie encore « au revoir, à l'année prochaine, Gennaro ». C'est une histoire qui t'est arrivée à toi, vraiment? Oui. Donc une vraie histoire, tu l'as imprimée. Enfin, vous l'avez tous imprimée, pourquoi? Parce que nous avons choisi, puis mes camarades l'ont trouvé beau, bien. Moi j'ai seulement 4 lignes. Là il faut en mettre encore un, je peux mettre encore un espace. Les enfants ne tentent pas seulement de s'exprimer par le texte libre et à l'aide de la technique de l'imprimerie. Ils font aussi du dessin, de la peinture, de la sérigraphie, de la sculpture sur bois et même du modelage. Chacun, en fin de compte, cherche le moyen qui lui convient le mieux, la technique avec laquelle il est le plus à l'aise pour faire ce dont il a envie, sans imiter personne. Au début, les élèves étaient perplexes devant les morceaux de bois et la pâte à modeler qu'on leur avait donnée. Ils croyaient qu'ils n'arriveraient jamais à en sortir quelque chose. Et puis, ils s'y sont mis avec passion, faisant travailler leur imagination. C'est la première sculpture sur bois que tu fais? Oui, c'est la première, oui. Ça a été difficile à trouver un modèle? Non, j'ai fait sur une feuille de papier, puis j'ai mis sur une feuille de bois, je l'ai dessiné, décalqué. T'as fait cette dame, c'est qui? Je sais pas, alors. Je l'ai inventé comme ça. Comment tu t'appelles? Gennaro. Qu'est-ce que tu es en train de sculpter ici? Un dessin que j'ai fait. Mais ça représente quoi? Une sorcière. Une sorcière? Oui. Moi, j'ai cru que c'était un roi. Non. Une sorcière avec une couronne? Oui. T'aimes bien les sorcières? Oui. Pourquoi t'as choisi une sorcière? Moi, quand on lui fait des dessins, je la trouve... Comment... Bon. Je la trouve magnifique.
Pourquoi t'as fait un coq? J'aime les animaux. Tu me le montres de l'autre côté, j'aimerais bien le voir. Puis ça servira à quelque chose? À une exposition. Mais c'est décoratif, donc. Oui. T'as déjà fait d'autres modelages? Oui. T'en as fait beaucoup? 7-8. Puis tu les aimes? Tu les aimes bien, toi, quand ils sont finis? Les objets que je fais, je les aime bien. Puis c'est... Mais alors c'est dommage un peu de s'en séparer. Non. Tu veux savoir qui les achète? Ça me plaira assez de savoir qui c'est qui a eu mes objets. Oui. Tu fais toujours des personnages ou des animaux ou tu fais aussi des choses complètement abstraites? Plutôt des personnages et des animaux. Un peu des deux. Plus tard, t'aimerais faire du modelage? Non. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Cuisiner. Pourquoi? Comme ça, j'aime bien faire la cuisine. À quoi tu penses maintenant, Gina? Bien que j'ai en train de faire un phoque, je pense au pôle Nord. T'as mis beaucoup de vert? Oui, parce qu'il y a beaucoup de neige. Verte? Ah non, mais bleu, quoi. Oui. Le vert, c'est parce qu'on a dû d'abord faire le dessin, puis après mettre du phasérite. Tu aimes peindre? Oui, j'aime beaucoup peindre. Tu peignais avant de venir à l'école? Oui. À la maison? Oui. Tu faisais des grandes peintures, comme ça? Oh non, sur petites feuilles. Qu'est-ce que tu préfères à l'école? L'imprimerie. Pourquoi? Parce que c'est très amusant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. De les autres classes, il n'y en a pas beaucoup qui font de l'imprimerie, et je trouve ça très amusant. Ça t'amuse? Tu penses que les grands journaux sont fabriqués de la même façon? Ça dépend. Quelle est ta fonction dans la classe? Caissière. Ça te donne beaucoup de travail? Assez. Tu aimes le calcul? Oui, ça va. Pas plus que ça. Pourquoi alors on t'a nommée caissière? Bien, parce que j'ai voulu être caissière, alors on a voté. Alors, on m'a pris caissière. Ils ont accepté ta candidature? Oui. Et depuis combien d'années que tu es dans cette classe? Bien, c'est première année. Ça te plaît? Oui. Si tu devais choisir entre aller à l'école ou ne pas y aller? J'aime mieux venir à l'école parce qu'à la maison, je m'ennuie un peu parce que je suis toute seule. Mon frère, s'il va à l'école et moi, je suis à la maison, je m'ennuie parce que mes parents, ils travaillent, alors moi, je suis toute seule. Alors, tu préfères encore apprendre quelque chose à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu peins, là? Je peins des fleurs. C'est des fleurs? Oui. Et puis là, c'est une maison? Oui. C'est ta maison? Oui. T'es dedans ou t'es dehors, toi? Je suis dedans. On te voit pas, alors? On te voit pas? Puis tout à gauche, en haut, c'est quoi? Là? Un arbre. Il y a du vent, alors? Oui. T'aimes dessiner? Oui, j'aime bien dessiner. J'ai vu que la classe avait été organisée en coopérative. Pourquoi? Ça, c'est aussi une technique donc, qui a été introduite par Freinet. Cette coopérative doit gérer, au fond, tout achat dans la classe, remplacement de matériel, achat de nouveau matériel. Et en même temps, cette coopérative essaye de régler les questions de discipline, les questions d'ordre. C'est eux-mêmes qui s'autodisciplinent, si on peut dire. Voilà. Vous n'y êtes plus pour grand-chose. Moi, j'ai une présence dans cette classe. J'essaye d'aider à organiser, d'encourager. J'essaye, au fond, de faire aboutir le travail qui est commencé par un enfant.
La pédagogie freinée est faite pour tous les élèves, mais elle stimule tout particulièrement les enfants retardés ou même les enfants handicapés comme ceux que nous avons été trouvés à l'hôpital orthopédique de Lausanne. Ces petits malades y restent souvent très longtemps. Tu as quel âge, Didier ? 8 ans. Tu sais lire, alors ? Oui. Tu as lu le texte que tu es en train d'imprimer ? Oui. Ça te plaît ? Oui. T'aimerais raconter une histoire, toi ? Je sais pas. T'as pas de petite histoire à raconter ? Oui. Non ? C'est la première fois que tu fais de l'imprimerie ? Oui. T'as compris un petit peu le système ? Oui. Tu sais pourquoi tu fais ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de ces feuilles ? On va en faire un journal. La pédagogie freinée appliquée à les enfants qui sont à l'hôpital, qui sont handicapés momentanément, est-elle positive ? Est-elle possible même ? Elle est possible d'une manière tout à fait artisanale et pas du tout exemplaire, parce que on fait ce qu'on peut avec les enfants qu'on a. Il ne faut non plus pas changer les habitudes que les enfants ont de travailler avec leurs maîtres, qui sont en général d'excellents maîtres, donc ça ne serait pas bien pour l'enfant, ça le perturberait. Mais enfin, étant donné que les enfants ici sont emprisonnés par le fait qu'ils sont malades et qu'ils sont quelquefois plâtrés, c'est une manière de les libérer, parce qu'un enfant ne peut pas dire tout d'un coup « j'ai peur de ne pas guérir, je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe à la maison ?» Mais alors ça, il le traduit par des textes libres qu'il faut se garder d'interpréter d'une façon fantaisiste et imaginative. Des fois, il n'y a strictement aucune préoccupation dans un texte libre. Et vous pensez donc que ça peut épanouir un peu l'enfant ? Oui, et puis ça lui donne l'impression qu'il peut faire quelque chose par lui-même. Parce qu'un petit enfant handicapé, à côté des autres, il y a des tas de choses qu'il ne peut pas faire, et généralement les choses où les enfants brillent. Par exemple, la gymnastique, courir... Et là, il voit qu'il peut faire quelque chose de beau et comme il veut. Et pour lui, c'est extraordinaire. Il a réalisé quelque chose alors que bien souvent, un enfant handicapé ne peut pas réaliser grand-chose parce qu'il est handicapé. Mais cette pédagogie freinée, pourquoi n'est-elle pas plus répandue ? Il semble qu'elle est tellement basée sur la participation que demandent actuellement les élèves. Cette participation, cette stimulation... Oui, elle n'est pas plus répandue... parce que les jeunes instituteurs ne sont pas formés pour l'appliquer. Jusqu'à maintenant, on s'est plutôt un peu méfié de la pédagogie freinée, se demandant quels résultats on allait obtenir. Depuis quelques années, on se rend compte quand même que pas mal d'instituteurs ont obtenu d'excellents résultats. Et heureusement, il y a déjà à l'École normale d'Yverdon une classe d'application dans laquelle on forme depuis 2 ans des instituteurs qui connaîtront la pédagogie freinée. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'appliqueront. Heureusement, on laisse cette liberté à l'instituteur de choisir la pédagogie qui lui convient. Quels sont les résultats que vous constatez sur les enfants ? Eh bien, les résultats que je constate, c'est qu'ils prennent goût à ce qu'ils font. Ils le font très volontiers et ils travaillent plus qu'avec une pédagogie traditionnelle. Autrement dit, ils travaillent tout le temps. Ils sont responsables. Ils sont tout le temps actifs. Et puis, du fait que c'est un travail, que c'est leur travail, ils en sont fiers, ils sont contents d'avoir été utiles, au fond, dans la petite société qu'ils forment. Il y a une petite école, un jour d'inventer l'école. Il y a une petite école, un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. La deuxième fois, c'est ô sacré Charlemagne. On recommence. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu